Bonjour Internet, bonjour mes petits canards, ici Casamania. Suite du let's play avec la suite. Oui, c'est une quelle suite du donjon étreinte des lamentations, niveau 60, en mode histoire. Donc tout à l'heure, je me suis fait un petit peu piquer le fion, pour rester poli, par des espèces d'écrases patates. Alors là, je vois qu'ils rushent comme des neneux, hein. Alors moi, je veux bien, mais moi, je connais pas du tout le donjon, donc je sais pas trop ce que je fais. Je vais suivre. Apparemment, ça doit être... Oh, le blocage, là, était bienvenu. Oh, ça doit être... le dernier... boss dans le coin, dernière salle. Ok. On a réussi à passer tout ça, hein. C'est pour... Du coup, j'ai pas eu trop de temps de voir ce que c'était. Mais bon, apparemment. Alors, encore une cinématique que je vais pas avoir le temps de voir parce que tout le monde va se barrer. Ce portail est verrouillé, pas condamné. Je peux régler ça vite fait. Case, Zodja s'est montré cruel envers Eir. Pourquoi tant de haine? Zodja déteste Eir. Ritlock et Logan se haïssent. Tout ça au nom d'une erreur aussi funeste qu'ancienne. D'accord. Oui. Autrefois, nous avons combattu ensemble. Ritlock, Logan et moi. Et Eir et son loup. Snaf et son apprenti. Zodja. Nous nous étions nommés héritiers du destin, avec la conviction d'être les meilleurs. Nous avons affronté partout les serviteurs draconiques jusqu'au désert de Cristal. Nous avons rencontré Glint, une servante légendaire de Kral Katorik, le dragon de Cristal, qui finit par trahir son maître. Kral Katorik, à son réveil, s'est envolé pour le sud afin d'y tuer son lieutenant déloyal, dévastant tout sur son sillage. Quel bordel! Accompagné de Glint, nous allions affronter un dragon ancestral. Mais c'est là que Logan a été vaincu. Nous étions affaiblis, mais Eir nous croyait encore capables de combattre. Eir avait tort. Nous avons perdu. Kral Katorik tua Glint. Et Snaf disparut. D'où la haine. La haine trahie. Pendant ce temps-là, mes compagnons m'attendent et je pense qu'ils vont râler. Non? Bon, tout le monde est bloqué, je pense. Tant mieux. Et chacun rejette la faute sur l'autre. Oui. Et Eir s'en veut énormément. Oui. J'ai tenté de les réconcilier. Oui. Tout un chacun doit parvenir à faire la paix avec... Ok. C'est bon, j'ai pas été trop long. Cette porte va me prendre plus de temps que prévu. Ah, je vois qu'ils sont pas... C'est pas patient, hein. Même dans le chat, ils font des taunts. Hein. Bon, alors. Trouver le quartier général de l'encaisse, protéger Zodja pendant qu'elle déverrouille la porte. Progression de déverrouillage. Donc elle déverrouille ici, ça va se passer devant. Ou pas. Pour l'instant, il se passe pas grand chose. Je vais quand même mettre des tourelles au cas où. Voilà. Ah bah les plats. Hop, on va mettre les tourelles de soin un peu derrière. Easy. Easy peasy peasy. Je pense que ça doit être la dernière salle. Je rappelle que c'est la première fois que je fais ce donjon. Je suis un noob, toujours niveau 60 d'ailleurs. Bec, c'est un petit peu plus long. Hein. Enfin bon, une fois que le donjon sera validé, je pense que je vais faire un bon saut dans mes boules d'XP. Hein. C'est fort probable. Frappez-moi si vous l'osez. Par contre, ça loot absolument rien pour le moment, sinon. Oups, mistake. Progression du déverrouillage 50%. On doit être pas loin. Zodja, pas de problème. Tant mieux. Par contre, mes tourelles servent plus à rien, elles sont trop derrière, donc je vais les faire péter, je vais les reprendre. Comme ceci. Hop, un petit coup de laser là-dedans. On a
qui essaye de passer en traître. On va se le faire. Profondeur de Draguer. Bah, écoutez, ce sera toujours un succès de prix. Hein. Voilà. Petit dernier pour la route. Vous avez déjà toujours pas de problème. Ah, ça y est, il sort de. Ah, voilà, ils sont là. Ça dit derrière. Ça dit que c'est bon. Ça avance 75%. On y est presque. Allez, un petit coup d'AVO là-dedans. On va sortir les tourelles parce qu'elles sont de nouveau disponibles. Voilà. Oups. Pas grave dans les AOE, mon petit case. Non, encore un minute. Je vais laisser mes copains prendre l'agro. La porte est bientôt déverrouillée. On va voir ce qui s'y cache derrière. J'ai hâte de voir ce qu'il y a derrière cette porte. J'espère que c'est badass. Puissance et gloire. Ah, 95%. Approche, on approche, on approche. Ouais. 99%. Ça y est, c'est déverrouillé. Les dragueurs s'en vont. Alors, qu'est-ce qu'on a? Stopper l'enquestre. Pourquoi pas. On va passer vite fait. Que doux. Je savais que tu étais derrière tout ça. Évidemment. Qui d'autre aurait pu faire plier les draguères? D'accord. Tu utilises les découvertes de Snaf pour faire le mal. Ouh, le vilain. Zodja, je t'en prie. J'avais déjà sur... C'est un grand méchant. Je pense qu'il serait fier de voir ce que j'ai fait de ses théories sur l'énergie draconique. Snaf n'aurait jamais approuvé de telles choses. Oh, j'ai touché un point sensible. Tu devrais voir ce que je suis en train de construire ici. Ah, donc à mon avis, il a construit des gros golems. Bien sûr, je passe vite parce qu'ils ont déjà... Ah, ils ont déjà commencé le boss sans moi. Voilà, c'est insupportable, ça, merde. Faudra un système comme un lag sur Swator. Savoir si au public ou quand quelqu'un regarde une vidéo dans un donjon, bah, tout le reste du groupe est obligé d'attendre. Merde, c'est chiant, ça. Moi, je vais regarder mon histoire tranquille et je me sens pressé par mon groupe qui est impatient. Donc le boss a l'air plutôt sympa. Ça devait être en plusieurs phases, phase boss, on va en parler. Il y en a un qui va crever chez nous. Et phase add, typique, très fort apparemment. Donc c'est cool, ça change. Mais il pique, ça peut arriver. Mettre la tourelle. Coup d'huile. Mon familier est mortellement blessé. Hop, on va essayer de cramer. Je te choisis. Je vais t'appeler. Donc il est solide le prototype de golem E4. Oh, j'ai retourné sur ma toile de soin parce que là, c'est limite. Ah, ça y est, il est en train de se dépasser, attention. Aïe, ah, je suis pas bien. Ça pique un peu. Voilà. Hop, un petit coup de soin pour tout le monde. Koudou, le v'là. Hop, j'ai looté en plus sur le golem. C'est toujours ça de fait. On va reposer les tourelles avant qu'il n'y ait plus. Oula, ça pique. Voilà, tout est posé. Ah, il fait un autre golem. Hein. Le même. Ah non, F cette fois-ci. Avant c'était E maintenant. Oula oula oui. Oui c'est. Ah oui attention. Ketz s'est fait cramer. Oh, ça brûlait. Le feu ça brûle. Ça brûle pas qu'un peu, ça brûle fort. Intéressant ce donjon, intéressant, j'aime bien. Il change. Et puis c'est toujours sympa de tuer des enquêtres, hein. Les azurins ils sont pas beaux. Quand même, hein. Faut dire ce qu'il y est. C'est pas du racisme primaire anti-Azura, mais franchement, c'est moche un Azura. Hein. Voilà. Maître du pistolet coup mortel 500 sur 500. Koudou vient de repop. Mon avis va nous faire encore une petite fuite tout à l'heure. On va douter. Voilà.
Alors, c'en est où? C'en est où? C'en est pas mal. Ils sont tous morts, hein. Zodja et Kes. Ah, je pense qu'il va TP. Oui, il va TP. Dernier golem, le T. Trace de poison, attire les ennemis. Les attaques infligent empoisonnement et saignement. Ouais. Il empoisonne. Donc, pour les soins, c'est moins bon. Oula. Quelqu'un au sol chez nous, Flores. Voilà. Après, je recule. Puissance et gloire. Le prototype golem T4. Il y en a un qui est pas bien chez nous. Il court, il est là. Ouh, ça met des grosses marques de poison. Moi j'ai resté là, je suis bien. Pas embêté. Au moment. Hop, un petit coup de soin, toujours. Autant que je peux. Je fais une très belle équipe. On est pas mal. Là, on est pas. Ah, il y en a un qui est pas bien en sol là-bas. On va y aller. Ah, mais arrête, toi, neuneu. Hein, utilise barre à l'autre bout de la pièce. Il y a un vulnérable là. Ah non, je suis sur le Koudou. Ah, c'est bon, Koudou, c'est bon. Déployer les tourelles de les provisions, de rechange. La totale. On va tout donner. Nous allons tout donner. Et là, on va gagner. Normalement, je pense qu'on va finir le donjon maintenant. Attention. Hein? Koudou. Il est pas mort. Ah, salaud. Tu as toujours été intelligente, Zodja. Ouais. Viens ici et bats-toi. Ouais. Attends que je réfléchis. Non. Mais si tu survis assez longtemps pour me suivre, j'aimerais te montrer. Dernière invention, attention. Trouver Koudou. Ah bah c'était un petit fake. Hein. C'est pas encore fini, hein, sagouin. Bon, on a eu, au moins il y a un coffre. Non, normalement il y a un coffre, il est où ? J'ai pas eu. Vous êtes là les gars ou quoi? Oui, vous êtes là. Il est plutôt long ce donjon finalement. Hein. Deux épisodes, ça vient de prendre deux épisodes complets. Il est plus long que certains, mais il est plutôt intéressant. Moi j'aime bien le concept. Alors Koudou est vraiment un fourbe. Par contre. Ah, c'est bon, j'ai eu le. Les loops qu'il fallait. Il y a eu assez de violence pour le moment. Là, on va essayer de trouver Koudou. Koudou, le vilain babou. Le coffre, il est là-bas. Super. Il y a un TP en plus. Coffre. Où sont mes sacs? Ouh, comment ça se remplir? Ça a l'air de rusher. Ça rush ou ça rush pas? Faut. C'est ni l'un ni l'autre, hein. Faut se décider, les copains. C'est pas une moitié de rush. C'est des choses bien. On les fait pas. Donc on fait les choses bien. Miniculi. Qu'est-ce qu'il dit l'autre là-bas? Miniculi a plus de vie. Grenadier de l'orchestre. Hop. Petit dernier pour la route. Voilà. Fait tout péter. Oh, Koudou, il doit être là-bas. Oui, avec le sentinelle champion. Ça va être le dernier. Fosse de Volcanium. Bon, c'est chouette ici. Ça doit être la fin. Hein. Là, la vraie fin. Très chouette. Belle zone pour combattre. Belle zone pour Pex, hein, pour monter un niveau là. Parce que je sais pas, monter de niveau depuis tout à l'heure. Oh, il y a un gars au sol chez nous. Il est où? Il est où? Il est où? Oh, il est dans l'eau, il est en bas. D'accord. Pourquoi pas. On va attendre qu'il libère. Alors lui, il est gland, lui. Lui, il est chiant, le guerrier, parce que vous voyez ce qu'il vient de faire. Moi, ça m'énerve. C'est qu'on a un mort. On peut pas reste, donc il est obligé de libérer. Et pour libérer, faut pas être en combat.
Et ce neuneu de guerrier, eh ben il attend pas. Il prend l'aggro. Voilà, et puis il attend pas que de pas engager 5 secondes pour que le collègue puisse raise. Et ça c'est nul, ça c'est franchement nul. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On les attaque ou on les laisse? Bon bah écoutez, on va les flinguer hein, ils ont plus de vie. Je reviens. Allez, flinguez-les, ils ont plus de vie, c'est bon. On va pas passer la nuit hein. C'est bon, vous êtes dessus. Et venez là, bande de bitmol. Putain, de l'héros. Ils ont plus de vie. On aurait pu les finir. Faut savoir, c'est l'autre blaireau de guerrier, il aurait pas dû foncer comme un neuneu dès le début. Là, on est toujours en combat. Putain, franchement, ça me gonfle, les groupes comme ça. Il n'y a aucune logique. Là, on est toujours en combat, on aurait pu le flinguer. C'est bon. Voilà, tout le monde est là, on est content. Maintenant, on va faire se les refaire. Voilà. Il y a encore un neuneu qui va sauter dans le feu. Je m'énerve. Oui, je m'énerve. Deux fois, ça m'énerve. Allez, pas la peine d'être de mauvaise humeur. Même si des fois, sur le coup, ça fait du bien. Je pense qu'on arrive sur le boss final. Golem Mark SIV S4 Sentinelle Champion. Qui doit être le dernier gardien du méchant Kudu qui doit se cacher quelque part derrière. Oh, j'ai goûté un jaune de niveau 60. Donc ça fait pas d'ecto ça. C'est parti! Vaincre le golem sentinelle, allons-y! C'est sympa, c'est très sympa cette zone. Ça change. Ça change. Aïe! Ah, c'est Zodja qui tire des missiles là. Tu me disais d'où ça vient ce truc, c'est pas moi. En face, il y a quoi là-bas? Je vois qu'il y a un truc. Un nom jaune, araignée. Ça va être fini là quand même. Ça va être le dernier monstre. Le dernier boss. J'ai du mal à. Oui, je pense qu'on va arrêter Kudu là. Kudu le babou. Allez, 20%. Tout donner. 15%, 10%, Eva Green qui me MP. Alors, trouver Kudu. Et c'est pas fini. C'est pas fini. En tout cas, ça loot. Ça loot plus qu'à l'habitude. Trouver Kudu. Pourquoi ils tapent les araignées? Qu'est-ce qu'il y a dans le. Oula, oula, il s'est passé un truc. Attention, cinématique. On arrive, je pense, devant le grand méchant Kudu. Il est sur une plateforme. Plein milieu du volcan. Ouh, c'est pas une invention ça quand même. Ça a l'air moche. Ça a l'air méchant. Alors. Je te choisis. Eva Green qui dit coucou à tout le monde. Si tu tournes, eh bien écoute, Eva Green, ton message passera en vidéo. Il y a des avantages à explorer. Alors, ça y est, dernière salle, Kudu. Tu as aimé la dernière? C'est encore mieux que tout ce qu'a pu inventer Snaf, notre. Oui. Tu as corrompu les théories. Oui, je fais vite parce qu'ils sont déjà peut-être, sur le boss sans moi. Mais ce n'est pas toi qui me punira. Ok. Donc, il a créé un gros monstre. Il dit que Snaf, c'est un vieux fou. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que là déjà les gens sont séparés. Trouvez Kudu, le forgeron. Faut tuer le forgeron, c'est ça? Regarde. Je vais à gauche ou à droite? Ah. Voilà, je vais aller là. Donc apparemment, faut éviter de se faire cramer les fesses. Ah mais merde. Bref, je suis le seul qui n'ait pas compris. Ça se voit. Là je suis pas bien. Donc je vais faire un gros soin. Au signal, faut attaquer le forgeron.
Ouais. C'est bien, mais... Ça y est, le forgeron, on peut l'attaquer, là. C'est bon. Apparemment, on peut. Ça fait dessus, hein. On peut même mettre des tourelles. J'ai pas l'impression que ce soit très utile, mais... Oh là, ça pique, hein. Je comprends pas tout ce que je fais, mais pour l'instant, je fais. C'est le principal. Ah oui, là, quand il fait ça, il fait couler du... de la lave en fusion sur les plateformes. Il faut se décaler. Ah, il fait tomber. Ils sont pas bien du tout. Oh, t'es mort, toi. Qu'est-ce que tu fais au sol? Debout. Voilà. Il dit pas merci, surtout. Je suis épuisé. Forgeron 75%. Forgeron, il y a moyen qu'on se la fasse. Moi, je tape dessus, je m'en fous. Litsky qui dit bonjour Internet. Eh ben bonjour Litsky, je te répondrai pas parce que je suis en plein boss. Qu'est-ce qui se passe? Ah, là, faut se décaler. Ah, là, il y a les petites bestiaux. Là, je peux retourner. Ah, très bien. Au secours. Je suis revenu. Voilà. Là, je suis bien. Là. Eh ben bonjour Litsky. Le forgeron, 45%. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire là? Là, il crame. Puissance et gloire. Hop là! Oh, la belle esquive! Ah bah non, elle n'a pas passé. Attention, là on s'écarte. C'est très bien fait. Très très bien fait ce boss, ce combat. J'aime beaucoup. J'ai peut-être un peu trop rapide pour aller sur la flaque de. Ah, il y en a un qui s'est fait cramer. Ça y est, on en a perdu un chez nous. Brûlé. Donc bon, la technique de combat s'assimile assez vite hein, une fois qu'on a compris le truc. Et voilà, les amis, le forgeron est done, j'ai un beau coffre. Coffre bonus. Un autre coffre ici. J'attends la petite vidéo. Oh bah il est lol. Elle, please. Non, moi je te reste pas. Vous m'avez mis une mauvaise humeur. Et tout? Et tout? Ah. C'est insensé. Kudu a fusionné l'énergie d'un serviteur draconique dans l'enveloppe d'une antique création draguère. Que voulais-tu dire par « il a corrompu les théories de Snaf » ? Snaf avait découvert qu'il émanait des dragons ancestraux une énergie qui leur était propre. Mais cette dernière était trop instable pour être utilisée. Kudu et l'enquête ne semblent pas partager ce point de vue. Kudu était l'apprenti de Snaf avant moi. Je ne doute pas qu'il poursuivra ses expériences. On devrait retrouver Eir et les autres pour obtenir leur aide. Ils ne nous seront pas très utiles, mais va les chercher si tu veux. Moi, je vais continuer et vaincre Kudu une bonne fois pour toutes. Pam. Voilà les amis, une bonne chose de faite. Parcours de récompense dévoyé, parcours du donjon. Donjon que je n'avais pas fait, donc c'était pas une blague. Nous avons vaincu Kudu. Et je hop, niveau... Combien? Niveau 61. Voilà, moi je vous embrasse très fort, je vous laisse ici, je vous dis à bientôt pour la suite de mon let's play. Gros bisous partout, c'était Kaz, prenez soin de vous les amis.